Et voilà, nous retrouvons la tribu des Jeux du Cygne dans Geldenbourg. J'ai donc fait mes tâches, enfin préparé mes tâches de construction de tissu. Voilà, donc pour avoir une base de vêtements qui permette à tout à chacun de s'habiller quand ils le veulent, quand ils en ont besoin. Et ensuite, en général, je les laisse relativement tranquilles pour gérer ça. Alors, c'est avec les idéologies, il faut peut-être que je réarrange un peu et que je surveille un peu mieux, mais. Voilà. Alors, j'ai mon premier mur ici qui est fait. Tous mes murs bas sont faits aussi, donc je vais pouvoir avancer. Ici, je vais me faire un petit bloc, un petit mur d'ardoise. Structure, mur en ardoise. Tac, tac. Avec une porte en ardoise, essayons de mettre un tout petit peu harmonieux. Une porte en ardoise qui va plutôt. Voilà. Là, c'est du marbre, donc je vais faire du marbre ici. Hop, tac. Voilà, et il me restera le côté est à traiter. Tac. Allez, c'est reparti. Mildiou, allez, mon blond qui est mort, c'est pas très très grave. Voilà, j'ai pas besoin de mettre ça en urgence. Parce que de toute façon, ça va pas se transmettre aux plantations à côté, puisque ça ne se transmet que si c'est vraiment côte à côte. Ils me feront ça quand ils ont besoin de le faire. Il commence à faire vraiment froid en fait. Ah, c'est l'hiver. Alors c'est un hiver, donc j'ai pas prévu. Je vais aussi faire des parkas. Des parkas, jusqu'à en avoir deux. Je vais mettre ça en priorité. Quand même, quand il fait froid, c'est bien les parkas. Hop, Brio est totalement guéri. Formidable. Tac. Et des bonnets. Jusqu'à en avoir deux. Et puis si vous êtes observateur, vous avez constaté que j'ai demandé également une robe et un turban, sachant qu'en fait ce sont les tenues rituelles des différents rôles de ma religion, de mon idéologie, pardon. Ah, Brio va bientôt être recruté, formidable. Lui d'ailleurs, il faut que je le convertisse. Ah oui, mais je peux. Ah merde, si, le milieu, ça se. Ah zut! Vite, vite, vite. Donc, il faut que, de toute urgence. C'est qui mes. Vache, dans ce cas-là. Alors, 4, 2. On met tout le monde sur de la coupe avant que ça ne se répande. Et chiant le milieu. Ah. Et un buffalo qui est pas content. Hop, hop. Alors, le problème c'est. Ouf, alors c'est bon. Tu vas courir. Mais genre vite. Ça va peut-être aller ceci d'ailleurs. Hop, on va arrêter. Donc j'ai deux Mufalo qui sont pas contents du tout. Donc il va falloir se protéger. Donc Broudaf, tu te casses.
et les autres. Alors, je repars ensuite sur des 4. 2. Est-ce que j'ai besoin de te mettre en 2, toi? Ouais. Non, c'est surtout toi. En 3 et là en 3. 2 là. Non, parce que Bouddha. Bon, cours. Oh là là. Il va vraiment falloir que je vienne, mon ami. Tac. Bouddha. En mode Bénil. Ouais, ça devrait aller. Le problème, c'est qu'un méphalo, ça s'arrête plus difficilement. Malvinette. C'est bon. Méphalo mort. Et toi, tac. Finish off. Finish him. Alors j'ai mis. Voilà. Vous pourriez peut-être me les transporter tant que vous êtes là. Bande de feignasses. Hop. Allez. Être blessé, c'est très bien. Un grossiste encore. Décidément. Onyx. Je vais avoir besoin que tu me fasses. Ah merde, attends. Là j'ai pas mis. J'ai mis que les. Alors, plat raffiné. Plat raffiné. Plat. Végétarien raffiné, carnivore raffiné. Et là, bah, végétarien raffiné. Non, il faut en mettre que deux de chaque. Les carnivores ici. Voilà. Pourquoi il m'en a fait 20? C'est pas ça la commande. Ben, je sais pas. Ok, bon, c'est pas grave, on fera avec. Là, ça caille un peu. J'avais dit qu'il fallait que je me fasse un petit transfert de chaleur. Donc, tout va bien. Ah oui, il fallait que je corrige aussi mes zones. Mais c'est pas possible. Hallucinant. Ils vont être tous shootés à l'Ambroisie. Hop. Tous shootés dès 8h, soutien au. Non, ça va pas du tout. Donc, ça c'est fait. Oui, j'avais dit zone. Retirer la zone de base. Je garde juste le mur pour qu'ils entretiennent le mur. Et le reste, je m'en cogne. Tac. Tac. Hop. Tac. Sinon, en fait, ils passent leur temps à venir en particulier nettoyer les trucs à l'extérieur. La nourriture se fait rare. Mais non, c'est pas possible. La nourriture ne peut pas se faire rare. Bon sang de bonsoir. Malvinette, quand tu travailleras, tu iras causer. Oh, monsieur. Virgule deux jours, 22 heures, 2,2 jours. Ouais, ça, il faut essayer de faire gaffe, de pas gâcher.
Formidable, parce que les marchands, ils dorment jamais. Hop, alors. Donc. Bon, je continue de revendre mes ânes. Les joints de Smokely, je les revends. Voile de visage, hop. Ça dégage. Qu'est-ce que tu peux me donner d'intéressant? Pas grand-chose. Pas grand-chose. De la laine éventuellement, mais... Bof. Ah, le diable étoffe, ça c'est cool. C'est l'un des meilleurs matériaux pour faire... c'est ce qui protège le mieux. Eh ben, donne-moi des sous. Allez. Une petite partie d'échecs. Onyx, il va falloir ensuite que tu ailles faire de la boucherie pour me stocker les trucs au frigo. En plus, du coup, ça me fait plein de fourrure. Allez, brio. Alors là, je vais commencer à manquer de chambre. Merde. De toute façon, j'aime pas trop comme j'ai fait ça. Tiens, ça, je pourrais le détruire. Ça sert à rien que je le garde. Bah, tu sais quoi, pour l'instant, brio, tu vas rester dans ta chambre. Hop. Même si elle n'est pas géniale. Et puis à un moment, je réorganiserai un peu mes bâtiments. Un site minier, c'est bien, mais je m'en fous un peu. Bon. Et maintenant, j'ai carrément trop de bouffe. Trop de viande, à la limite, lui en vendre. Avant qu'il ne s'en aille. Alors, brio, il faudrait que je fasse ces tâches. Médecine 3, c'est pas génial. Tu vas rester comme ça, transport, manutention. Alors, tu es un bon cuisinier. Non, tu n'es pas terrible. Tu as 4 en compétences, mais tu aimes bien ça. Donc, tu vas progresser. Il te faut une arme de tir. Tu es un constructeur. Non, tu n'es pas génial en fait, toi. Pourquoi je t'ai gardé? Mais t'as même que des stats de merde. Ah, c'était un peu tireur. Pas génial, on fera avec, mais pas génial. Malvinette, est-ce que tu peux me... Ah oui, tu peux me faire de la conversion. Sur, alors, qui est-ce qui a les plus grosses? Certitude 100%, donc on va pas tester tout de suite. Certitude 52%, c'est pas mal. Et toi, tu es à 20%, donc va me convertir quand tu auras fini de commercer. Tu vas me convertir au Sleepy. Sleepy, Sleepy, Sleepy. Sleepy, où est-il? Là. Tac. Badam, badam. Donc, je n'avais pas terminé avec brio, qui était pas terrible. On avait dit. Ouais, tu seras chasseur. Ouais, tu vas filer des petits coups de main un peu partout. Non, bah, je sais, tu sais quoi? Tu vas être son nettoyeur et transporteur principal. On a toujours besoin. Des fois que tu me feras ça. Hop. Mineur 4. Voilà. Toujours besoin de quelqu'un qui transporte. Donc du coup, j'ai... Ah ouais, Mufalo, putain. Ouf. Allez, revends-moi tout ça. Ça va me faire un peu de up.
On essaie de pas faire la même connerie. De toute façon, il est limité en thunes. Je vais piquer tout ce qu'il a. Voilà. Donne les sous. Sa certitude a baissé. Voilà, la caravane a quitté la colonie. Bien. Alors, ah oui, loisir. Je force le loisir ici. Alors, attends, je peux faire ça tout simplement. Tac, 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 tac. Comment c'est? L'abattage de la viande. Changement de rôle. Je pourrais faire en sorte que alors attends, par exemple Broudaf dans qui c'est mon meilleur chercheur, c'est Onyx. Ouais, mais Onyx j'en ai besoin pour plein de choses. Le problème c'est que je crois que quand on attribue un rôle définitif, enfin un rôle dans ce genre-là, de ce que j'ai cru lire, ensuite elle fait voilà. Les titulaires de ce rôle refuseront d'effectuer certaines tâches non liées à la recherche. Travail désactivé avec dresseur, cuisinier, fermier, mineur, forestier, transporteur, nettoyeur, transport. Ouais, donc bof, c'est vraiment quelqu'un qui va se spécialiser là-dedans. Donc il faudrait, parce qu'à la limite, il peut continuer à faire de l'artisanat, dresseur, cuisinier, fermier, mineur. Forestier, ouais, donc il peut continuer à faire de l'artisanat. Donc si j'ai quelqu'un qui n'est pas trop mauvais en recherche et sur les métiers d'artisanat, ça peut valoir le coup. Il est où Sleepy? Il est là, Sleepy. Ah oui, mais Sleepy, il n'est pas sur la bonne. Eh ben, oui, puis il est nul en cherche, en recherche. Bon, je vais attendre d'avoir un vrai chercheur qui vaille le coup. Par contre, je pourrais peut-être me faire un chef. Maintien la cohésion propre à notre faction lors des interactions diplomatiques. Ouais, bah, je pourrais peut-être faire un chef. Je sais pas trop ce que ça change. Onyx, moi je trouve qu'elle serait top comme chef ten. C'est elle qui nourrit tout le monde et il n'y a pas à dire, quand on nourrit les gens, c'est une bonne raison pour devenir chef. Ardarine, il a les trucs du. Comment de l'impérial. De l'impérial machin là. Hop, chef. Allez. Hop, puis quoi, il est 22 h, c'est un bon moment. Ah, pardon. Pourquoi est-ce que c'est pas une bonne idée? D'attendre que votre colonie soit plus établie étant d'attribuer des rôles. Ouais. Moi, je trouve qu'elle serait bien en tant que chef exochrome. Je n'ai pas l'impression que ça pose de problème. Et puis, de toute façon, je commence, hein. Je débute sur ce mode de jeu. Si ça fonctionne pas, je l'aurai dans l'os. Je vois que je commence à manquer un peu d'électricité. Je vais donc me faire un générateur d'électricité. Comme je ne manque pas de bois, je vais le faire par exemple par ici, par ici, par ici, par ici. Voilà, histoire de rajouter un peu. Onyx devient la chef.
Réussite du champ d'un rôle formidable. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Un procès. Pour une accusation odieuse, l'initiateur accusera quelqu'un d'acte répréhensible, terrible, et rassemblera les gens pour un procès. Les spectateurs écouteront l'accusateur et l'accusé argumenté, puis décideront si l'accusation est vraie, si l'accusé est reconnu coupable. Vous pouvez librement le bannir, l'arrêter ou l'exécuter, et cela ne dérangera personne. La chance d'une condamnation dépend des capacités sociales de l'accusé et de l'accusateur. En socialité, nul. C'est bien. ok. Bon. C'est chiant. Encourager. Personne à travailler plus dur pour un certain temps. Et créer une aura qui booste les compétences de combat. Ouais, ça peut être sympa quand je me fais attaquer. Et un discours de chef entraînant destiné à remonter le moral. Les colons se rassembleront. Si tout se passe bien, les éditeurs se sentiront inspirés. Yep, d'accord. 53% de charge. Atroce intérêt. Ouais. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Ok, alors j'ai, de toute façon j'ai plus de cailloux. Il faut, ce serait bien si Sleepy se mettait vraiment à faire ce que je lui demande. Arrête de construire, j'ai vraiment besoin d'un artisan. Un lieu de rassemblement, ça non plus. Ça non plus. Voilà, un peu plus. D'énergie, parce que les éoliennes, c'est bien, mais ça, c'est limite. On voit que c'est efficace. Hein. Ils sont balèzes. Ils sont rapides. Brio n'a toujours pas d'armes. C'est une mauvaise idée. C'est un... Ouais, il n'est pas terrible. Mais... Qu'est-ce que j'ai comme armes? C'est un revolver. Qui est médiocre. Et Sleepy, c'est une tanche. Non, Sleepy, c'est un très bon tireur, pardon. Brio, c'est un tireur assez bof. Ardarin, c'est un très bon tireur. C'est Broudaf qui va lâcher son arme. Quand t'auras fini de faire tes pétards. Ouais, fumer, tant qu'à faire. Lâche ton arme, lâche ton revolver, et tu vas prendre un moins bon revolver. Et Brio, du coup, quand tu seras revenu, tac, tu vas lui mettre ce revolver. Est-ce que le turban est fait? Pas encore. Une erreur. Mon chef se doit d'avoir un turban. Onyx, il faut que tu râles. Fort. Quand t'auras fini la parc. Quand même. Non. Si. Hop. Tac. Voilà. Tant pis.
Pourquoi est-ce que tu risques de péter un câble? Environnement très déplaisant. Oui, bah. Animal innocent tué. Ah oui, ça c'est sûr. Amené, ouais. Non, mais il faut vraiment que tu te convertisses, Coco. Onyx. Tu as un turban à les mettre. Est-ce qu'il est parti, mon turban? Bonnet, bonnet. Mon turban. Il a déjà rangé? Turban. Ah bah, en santé. Oh là là, formidable. C'est complètement débile de voir Hop. Quand tu te lèveras. Burka en tissu. Oh, putain, on a des meilleurs. Construction imposante. Alors, qu'est-ce que tu... La chevaleresse Fabia Potter de l'Imperium Brisé vous commande de construire un monument pour installer les fringues de son rival. Waouh. Taille 7 par 6. N'importe métallique en bois, en pierre, x 180. Et il me faut ensuite de la caillasse. Ça devrait terminer en 13 jours. Et protéger le monument pendant 25 jours. Si l'une de ces parties est détruite, waouh! Système de répression. Et ben. Tout ça pour 4 d'honneur. Waouh! C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais on va quand même le faire. Qu'est-ce qu'il me faut? Alors, j'ai pas de problème de bois. Juste en caillasse, il va falloir que j'en fasse davantage. Mais normalement, j'ai des blocs. J'ai pas beaucoup de blocs en fait. Il faudra que j'aille en chercher. Hop. Ouais, c'est pas très très loin non plus. Qu'est-ce que t'as une portée de 50, c'est largement dedans. Donc et ben on va commencer par lui faire faire quelques blocs. Où est-ce que t'es, Sleepy? Tu es là. Allez, on va me faire des blocs. Des blocs d'ardoise, et quand je les aurai, je ferai un monument pour attacher les fringues de son rival. Mais... Ok, ça va être bon. Alors, acceptons la quête maintenant que 56. 56. Ah bah je peux faire en ardoise. Dans tous les cas, et 180. Allez, donc, Yardarine, notre propriétaire foncier, tout à fait. Je sais toujours pas ce que ça fait, il faudra quand même qu'à un moment ou un autre, je le redège. Ardarine, paf. Marqueur de monument. Alors, où est-ce que je vais faire ce monument? Bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Bah, j'en sais trop rien, Coco, oui. Par rapport à mon... Mettre par là. Non.
Allez, par là. Boum. Notre meilleur constructeur, c'est Malvinette. Tu ne vas pas. Ah si, bah, tu vas me terminer en ardoise et ensuite. Tu me. Ah, c'est porté par Onyx. Pas prioriser ça. Bon, je vais bientôt avoir un autre gars. Il faut vraiment que je me refasse mes pièces. Je comprends pas pourquoi je me suis organisé comme ça, tellement c'est mal. Il faut vraiment que je refasse mes baraques. Ah, d'accord. Là, c'est les... Ah d'accord, il faut que je dise dans quoi je veux le faire. Je veux le faire en bois. Et le pavement, tu vas me le faire en ardoise. C'est bon, j'ai terminé mon mur d'ardoise. Donc, non. Je voudrais. Ah, d'accord, c'est. D'accord, bon, normalement c'est bon. Ok, et donc maintenant, ma vignette va pouvoir le construire. Bon, je commence à avoir un peu plus de vêtements. L'avantage, c'est que du coup, ils peuvent un peu mieux faire leur choix. Alvinette, tu ne peux pas encore rechercher à convertir. Bon, les choses commencent à se passer plutôt mieux. Allez, juste. Je ferai ça sur un inter-épisode. Allez. Donc, les femmes sont pas contentes. Drone psychique. Brécure. Bienvenue parmi nous. Tu vas t'installer dans cette zone toute pourrite. Le temps que je fasse de vrais baraquements. Je vais réorganiser. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter l'épisode maintenant. Je vais organiser mes métiers, mes occupations pour Bricure. Je vais me faire des plans pour me refaire des baraques, enfin pour compléter mes baraques, que ce soit un peu moins pourri. Et puis, on serait l'épisode suivant après, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.